Yo tout le monde, c'est Blaze Dark et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre let's play sur Kingdom Hearts. Alors la dernière fois on avait fermé la serrure de ce monde, du monde de la ville de Traverse, et grâce à Cid nous avions récupéré la téléportation, donc qui nous permet d'aller en hyperespace dans les mondes qu'on a déjà visités, ce qui est plutôt cool. Et maintenant on devait se rendre au niveau du typhon intergalactique. Donc je vais faire ça vite fait avec vous. Et le reste de la phase de vaisseau, je pense qu'on... je l'ellipserai. Parce qu'il me semble qu'ils vont me parler pour expliquer ce qu'est le tourbillon. Et on verra bien ce que ça nous fera. J'espère que ce sera pas très long parce que là je sais pas trop quoi dire. Elles sont tellement belles ces phases. Alors quand je ferai Kingdom Hearts 2, on aura encore ces phases mais vous verrez qu'elles sont beaucoup mieux faites. C'est... Là on se fait chier, hein, clairement. Mais dans KH2, vous verrez que c'est carrément plus fun. Il y a même moyen que je les ellipse pas du tout dans KH2. Tellement c'est plaisant à faire. Étrange ce trou. Il mène peut-être à un autre monde. Ok, donc on va dedans. Et voici donc le nouveau monde, Agrabah. The keyhole? The Heartless are searching for it now. I'm certain we'll find it soon enough. So that just leaves... Jafar! I've looked everywhere for Jasmine! She disappeared like magic! The girl is more trouble than she's worth. You said you had things under control. Agrabah is full of holes for rats to hide in. But why worry about Princess Jasmine? With her or without her, surely this world will be ours when we find the keyhole. We need all seven princesses of heart to open the final door. Any fewer is useless. Well, if the princess is that important, we'll find her. Find Jasmine, and bring her to me at once. Don't steep yourself in darkness too long. The heartless consume the careless. Your concern is touching, but hardly necessary. Ok, donc on a revu la grande perche à double corne. Alors apparemment ils sont à la recherche de la serrure de ce monde, mais aussi à la recherche de la princesse. Et apparemment il leur en faut 7. Il leur faut 7 princesses pour ouvrir la dernière porte. Alors ça, je pense qu'on en saura beaucoup plus tard. On en saura plus beaucoup plus tard, faudrait que j'arrête d'oublier des mots dans mes phrases. Et on a vu que Jasmine était planquée ici quelque part. Alors, je pense qu'on va essayer de la trouver. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Il y a un coffre. Ouh, des mini. Ah, les pots et les tonneaux, ils donnent pas mal de mini, ça je m'en rappelle. Trio vert qu'on n'a pas encore. À la fin du dernier épisode, on avait vu aussi qu'on avait débloqué un tournoi au Colisée. Alors, je sais pas si je le ferai hors cam.
ou si j'attends d'avoir plusieurs tournois à faire et qu'on les fait tous dans un épisode bonus. À voir. Je sais pas. Je verrai bien comment je ferai. Là, on a des nouveaux sans cœur. C'est les bandits, je crois. Si je dis pas de bêtises. Oh, les pots se transforment! Est-ce qu'ils donnent beaucoup de munis aussi quand ils sont transformés, là? Non, oui. Eh, mais arrête! Viens là! Oh, non, ils donnent plus tant que ça. C'est des araignées pots. C'est moche. Bah en plus je crois qu'elles ont vraiment un nom dernier, je crois. C'est les arachno. J'ai envie de regarder. J'ai envie de savoir maintenant. Personnage, sans cœur. Nanana. Voilà, les arachno cruches. Voilà, on va les appeler les grosses cruches. On doit aller où du coup? On peut aller là. Oh, les ombres, voilà, on s'en fiche un peu. Oh, le tapis. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Ah, ok. Le tapis s'est envolé vers le désert, mais explorons encore la ville. Ok, il y a des coffres. Un bloc, pas très intéressant. Un méga élixir, c'est parfait. Et je sais, c'est quoi ça? Oh! La serrure cachée, ça a dû ouvrir une porte. Ok. On retient. Alors, on atterrit où ici? Ok, on va atterrir en bas. Et on peut aller là-bas. Pour monter, c'est pas ici. Ruelle. Je suis Jasmine, mon père est le sultan d'Agraba. Cela fait de toi une princesse. Mais il a été détrôné par Jafar, qui contrôle toute la ville à présent. Jafar? Vous ne le connaissez pas? C'est le grand vizir, il a acquis un pouvoir diabolique et s'est emparé d'Agraba. D'ailleurs, on a vu que la grande perche a prévenu donc Jafar, c'était Jafar. Elle l'a prévenu de faire attention aux ténèbres, qui lui arrive pas la même chose qu'à Clayton. Mais apparemment, il s'en fiche. Donc bon, on verra bien ce qu'il arrivera de lui. Il a acquis un pouvoir diabolique et s'est emparé d'Agraba. Il cherche désespérément quelque chose. Il parlait d'une serrure. Jafar m'a attrapé lorsque j'essayais de m'enfuir, mais il m'a aidé. Qui t'a aidé? Aladdin. On se cachait près d'ici, mais il a été obligé de partir. J'espère qu'il va bien. Aladdin. Where might I find this street rat? Jasmine, allow me to find you more suitable company, my dear princess. These little rats won't do, you see. Jasmine, run! Ah, the boy who holds the key. Ok. Donc on a rencontré en personne le vizir, donc Jafar. Il a pas l'air de nous aimer beaucoup. On a retrouvé la princesse aussi. C'est tout? Oh, d'accord, je m'attendais à un petit peu plus de fight. On a retrouvé la princesse qui s'est fait aider par un certain Aladdin, apparemment. Qu'on va peut-être rencontrer plus tard. Méga potion. Donc elle nous a confirmé qu'il recherchait une serrure. Ça, on le savait déjà. Yop. Parfait. Encore des ombres. Elles sont plus résistantes, les ombres de ce monde. Elles donnent combien d'XP? Vas-y. 2. Waouh. C'est tellement beaucoup d'XP, oh là là. On est censé aller où là? Alors, on peut aller là-bas. Est-ce que là c'est ouvert? On va aller voir.
Non, c'est pas ouvert. Alors, on nous a le... Enfin, grâce au tapis, on a su qu'on pouvait aller dans le désert. Peut-être que c'est par là qu'il faut aller, je vais aller voir. Tiens, je me fais un peu d'XP aussi, on sait jamais. À moins que c'est une porte de cette zone. On va aller fouiller en hauteur, on l'a pas encore fait. Non, là c'est fermé. Non, bah je pense qu'il faut aller dans le désert. Je pense qu'il faut aller dans le désert. Allez, go! Ok. Ce serait tellement prestige d'avoir un tapis comme ça. On dirait qu'il veut nous emmener quelque part. Bah, go. Go, 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 on est parti. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je veux pas dire, mais... On est d'accord qu'ils sont plus là. C'est quand même très bizarre. Ils se sont fait engloutir. Calmez-vous là. Les bandits. Oh, ils lancent leur épée carrément. Allez, 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 allez. Un de moins. Allez, lui, il est presque mort. Voilà. T'es le dernier? Ah, faut croire que non. Lui, c'est le dernier. Voilà. Genie, get rid of these guys. Wish number one coming right up. See. Thanks, Sora. Aladdin, what are you doing out here? Same old stuff, hunting legendary treasure. Just paid a visit to the Cave of Wonders. I found that magic carpet. And this lamp. Legend has it that whoever holds the lamp can summon the... Please, kid, leave the intros to a professional. The one and only Genie of the Lamp. Rub-a-dub-dub the lamp and have your dearest wishes granted. This winner is Aladdin. Congratulations. Aladdin what? Patience, my fine feathered friend. Any three wishes. Oh, one wish, a two wish, a three wish. Then I make like a banana and steal it. A lucky winner made his first wish. And let me tell you, what a doozy that wish was. So he has two left! So, Master, what'll you have for wish number two? How about making me a fabulously wealthy prince? Whoa! Money, royalty, fame! Why didn't I say that? Okay, you asked for it. 100 servants and 100 camels loaded with gold. Just say the word and I'll deliver it in 30 minutes or less, or your meal free! Hey, I'll even throw in a cappuccino. No thanks. Okay. I think I'll put that on hold until we reach Agrabah. Oh, why a prince? You see, there's this girl in Agrabah named Jasmine. But she's a princess, and I'm... she could never fall for a guy like me. Princess? Jasmine? Oh, that's right. She's in trouble, Aladdin. What? Well, come on, let's get going. Mais tu m'étonnes que le génie a pas eu de mal à réaliser le vœu d'Aladdin. On est d'accord, c'est un vœu à la con qu'il a fait. Je sais pas, mais t'as trois vœux, tu tises pas un vœu comme ça. Je suis choqué. Bon, bref. Non, je le veux pas avec moi.
Fresh air, the great outdoors. I guess you don't get out much, huh? Comes with a job. Phenomenal cosmic powers, itty-bitty living space. It's always three wishes, then back to my portable prison. I'm lucky to see the light of day every century or two. Say, Genie, what if I use my last wish to free you from the lamp? What do you think? You'd do that? Genie, it's a promise. After we help Jasmine. Ok, donc Aladdin va utiliser son dernier vœu pour rendre libre le génie. Vous imaginez le génie avec des pieds? C'est assez space, non? Et le génie, du coup, il voit la lumière du jour un siècle sur deux, ça qu'il a dit. C'est triste. C'est triste. Franchement, ça sert à quoi d'avoir des pouvoirs cosmiques phénoménaux si c'est pour rester enfermé entre quatre murs? C'est pas vraiment ça, mais c'est un exemple. C'est dommage quand même. C'est très dommage. Ah, c'est ouvert ici maintenant. Ok. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Oh, je les one-shot pas. Enfin, en un combo, quoi. Ici, on connaît. Hein. Ouais, on connaît. Il y a je pense qu'il y a une porte qui s'est ouverte par ici. Alors, pas celle-là, apparemment. Mais peut-être celle d'en bas à droite. Oui. Ok. Go. Alors, ici, on connaît point. Qu'y a-t-il de nouveau? Vas-y, descends, toi. Ouah, tous les pots! Oh, des sous-sous! Ah, il y a une marque de trio. C'est moi ou elle? Elle a fait la kamikaze, là, l'arachno, je sais plus trop quoi. J'ai rêvé, peut-être, je sais pas. Je ne sais point. Ah, il y a l'autre qui soigne aussi. Voilà. Et Donald, il est encore mort. Il a vraiment du mal. Hein. Ah, la marque trio, ça la raise. C'est pas mal, ça. Je savais pas. Bon, en soi, ça sert pas à grand chose, mais... Enfin, ça évite de poireauter pendant une minute devant la marque trio. Donc, si, c'est pas mal. C'est plutôt sympathique. Comment je fais pour aller là-haut? Oh! Hein? Pourquoi il y a un objet ici? Comment il est arrivé ici, l'objet? Sérieusement? Oula, attention. Ok, faut aller en face. Parfait. Une bague brasier qui sert à rien, je pense, à ce moment-là de l'aventure. Ouais, non, ça sert plus à rien. D'ailleurs, on n'a pas eu d'équipement depuis. Non. Non, non, non. Ok, alors. Une nouvelle serrure. Ah. D'accord, très bien. Je ne sais plus comment on y va, mais... Ah, on peut aller ici maintenant. Alors lui, on va le faire, il donne pas mal d'XP. Aïe. Enfoiré. Aïe, mais... Tu vas te calmer, ouais. Oh là, mais ils sont vénères, là. Un petit contre. Oula, 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 oula. Il tire des boules de magma. Il va cracher du feu. Ah, ça va, c'est pas sur moi. Oh, mais ils ont tellement de vie. Non, 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 faut être... Oh, boost technique. Ah, alors ça, c'est génial. Ça, que, si je dis pas de bêtises, quand on fera des contres, on aura plus d'XP. C'est des bonus d'XP de contre, en fait. Pour faire simple. On augmente les points techniques obtenus en parant les attaques ennemies. Alors, le problème, c'est que... C'est que j'ai rien à enlever. Mais il faut que je me le mette, parce que c'est de l'XP, donc c'est important. À la limite, je vais enlever le contre, pour le moment. Oh, lui, il a un retournade.
C'est pas mal. On va enlever attraction. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, donc l'XP est très important, normal. Et ça sert à rien de venir ici, apparemment. Je crois que... Si, en fait, il faut venir ici, mais par le haut, il me semble. Et ça va débloquer une cinématique. Donc, on ne va pas se gêner. Faut refaire le chemin, alors... Ah oui, on peut plus passer par là. Ah non, on est bloqué ici. Ok, donc, il faut y arriver depuis la maison d'Aladin. Ah bah d'accord. Donc, Jafar recherche Jasmine et cette serrure. Une serrure? J'ai déjà entendu ça quelque part. C'est vrai ou ça? Voyons, où était-ce? Ça ne remonte qu'à 200 ans. Ouais. Du coup, c'est vieux, les serrures. Puisque c'était déjà là il y a 200 ans. Ça date pas d'hier. Bon, c'est pas grave. Mais on doit arrêter Jafar avant qu'il ne soit trop tard. Oui, merci. On l'avait deviné. On est à 6 heures de jeu, presque. On avance bien. On est où, là? Je suis paumé dans ce monde. J'aime pas ce monde, faut le savoir. J'ai horreur de ce monde. Bah on va repasser par là, du coup. Mais non, à chaque fois, je fais la même bêtise, putain. Je déteste ce monde. Par là, voilà, entrée de la vie. En gros, je pense qu'il faut... Ouh. Ah. Bah, c'est par là, je crois, non? Ah oui, alors, on est ici pour un coffre. Voilà. Attention à ne pas tomber. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Ah, une matière noire, cool. Ça, c'est un... Pour la conception d'objets, plutôt rare. Bon, bah là, je crois qu'on n'a pas le choix. Setting your sights a little high, aren't you, boy? Back to your hole, street rat. I will not allow you to trouble the princess anymore. Jasmine! I'm so sorry, Aladdin. Genie, help Jasmine, please. One wish left. You're making this really easy, you know? So sorry, boy. I'm afraid your second wish has been denied. Huh? I'm sorry, Al. And now, I bid you all farewell. Attack! Ok, on se fait un boss. Et j'ai envie de vous dire, tel est pris. Tel est pris. Putain, mais je dis vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Tel est pris qu'il croyait prendre. Voilà, surtout ça que je voulais dire. Aladdin, il s'est encore fait fumer un vœu. Voilà, il est vraiment pas doué. Le mec, on lui donne 3 vœux, il peut vraiment faire ce qu'il veut. Et il se fait fumer. C'est quand même dommage. Oula. Ah, il m'a. Donald m'a mis une rafale, je crois. C'est plutôt cool. Allez, Sora. Donc, la rafale, ça nous fait subir, je crois, moitié moins de dégâts. J'aime pas ce boss, il est champion. J'aime pas ce monde, en fait. Tout ce qu'il y a dans ce monde, j'aime pas. C'est vraiment. C'est l'un des mondes que j'aime le moins. Hein. Oh là, je vais caler. Et voilà, bien joué. Bien joué, bien joué. Je voulais partir pour me soigner, mais j'ai pas eu le temps. Oui, oui, blablabla. Comme quoi, ce boss, il faut vraiment y faire attention parce qu'il fait très mal. Et vous voyez que je me suis fait tuer même avec une rafale, donc... Après, je pense que je manque d'XP aussi. Par exemple, pour
pour le tournoi du Colisée. Et je l'ai pas fait, donc forcément j'ai perdu un ou deux niveaux, quoi. Ok, Marvin Rafale, je vais pas prendre de risque, je vais me soigner régulièrement. Ils font mal. Allez! Je vais me soigner. Bon, la magie revient assez facilement, donc ça va. Allez! Oh là là, j'ai horreur de ce boss. Il est infâme. Ok. Oula, 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 oula. Soigne-toi. Bon, c'est un boss sans cœur, ça se voit tout de suite. Hein. Il a la marque sur la tête. Oh, je suis bien là entre les deux. Ah, j'ai trouvé un petit glitch. Je connaissais pas ça. Ah bah. Voilà. Tu m'as tué, je me venge. Ah, et ça fait qu'il se détruit pas en plus. Enfin, normalement ça les divise en deux à chaque fois. Mais en faisant ça, non. Ah, c'est plutôt pratique. L'azurite. To the desert. Come on, let's move. Ok, donc Jasmine a disparu. Et Jafar en a l'air bien content. Sora, bon, s'il te plaît, arrête de faire ta victime là. Voilà. Quand même. Oh là là, mais je vais finir par cadre. Donald, punaise. Je crois que je manque vraiment d'XP. Hein. Ça a l'air assez tendu. Donc je pense que c'est possible que j'aille faire le tournoi hors cam pour prendre un peu d'XP. C'est bon ? Ah, c'est bien. On va regarder le lazurite qu'on a eu. Oula, attention. Donald est mort. Ah là 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 là. Donald et Nargo, il gère pas non plus. Hein. Ce serait une meilleure IA, on s'en sortirait mieux. Tu vois, c'est comme si j'étais solo. Hein. En vrai. Après, dans le 2, c'est pareil. L'IA est améliorée. Heureusement, c'est clair. Alors, preuve que je manque d'XP aussi, c'est que j'ai l'impression que je monte vachement vite. On a déjà repris un niveau. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, HP, MP, moins de défense. Ah, je perds trop de choses. Je vais le donner à Donald à la limite. Il aura plus de vie. Ah, ça lui fait perdre un de défense. Bon, ils perdent tous. Ouais, mais Donald, il meurt déjà tout le temps en premier. Donc, si je lui enlève la défense, c'est même pas la peine. Lui perd un PC, un de défense. Bon, bah, je le mets pas. C'est pas terrible. On va se faire une petite save. Et direction le désert. Pour retrouver Jasmine et aussi peut-être potentiellement retrouver la serrure. Trouver la serrure déjà. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Le choc. Il y a de quoi être choqué, hein. C'est quand même une tête de tigre. On sait pas ce qu'elle fout là.
La tête de tigre est possédée par les sans-cœurs. Libérez-la de l'emprise des ténèbres. Ok. Donc ça, si je me souviens bien, il faut viser les yeux. Alors pour ça, comment je faisais déjà? Je crois qu'il faut... Ah oui, voilà. Ok. C'est quand il pique du nez, là. Il est un peu fatigué, il se repose. Voilà. Allez, go. Ah, parfait, je suis resté dessus. Ça, c'est nickel. Allez, allez, allez. Aïe. Ah, j'en ai... Ok, je lui ai crevé un œil déjà. Il fait beaucoup de dégâts, j'ai l'impression, aussi. Mais ils sont encore morts, mais c'est pas possible. Et pourtant, on est qu'en difficulté normale, alors imaginez. Le jeu, je l'ai déjà fait en hardcore. Là, je peux vous dire que ils servent... Oula. Oh, mais j'ai même pas le temps de me soigner. On manque vraiment beaucoup d'XP. Il faudra que j'aille en faire en hors cam parce que là... Là, ça va pas, on va vraiment avoir du mal plus tard. Après, il faudrait... Je vais essayer de me mettre des rafales, peut-être que j'aurai moins de mal grâce à ça. Voilà, on va voir. Ce qui m'embête avec le rafale, c'est que ça dure vraiment pas longtemps et ça prend 2 PM. Donc j'aime pas trop le faire, mais bon. Si ça peut nous éviter de mourir. Là, le problème, c'est que si je veux me soigner, voilà, j'ai plus qu'une chance. Et ça m'embête un petit peu, du coup. Ah non. Voilà. Par exemple, là, j'ai déjà plus la rafale. Ça part beaucoup trop vite, je trouve pas ça rentable. Je préfère encore garder mes PM pour me soigner. Aïe. Ok, go, c'est le moment. Allez, on lui crève un œil. Aïe, aïe, aïe. J'aime soigner, je suis à moitié de vie, on sait jamais. Allez, ok. On s'attaque à l'autre œil. Ouh, je vais faire un bon combo là, je sais pas ce qui s'est passé. Non, non, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Non. Ah, dommage. Ok, faut attendre qu'il crache, du coup. Enfin, qu'il pique du nez. Voilà. Allez, vite. Allez, allez, allez. Aïe, 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 aïe. Oh, j'ai le temps de remonter dessus, nickel. Ouais, c'est parfait, on peut le terminer, là. Allez. Sora, tape dessus, s'il te plaît. Allez, il a plus de vie, là. Parfait. Ouais. Maintenant on va dans sa gueule, c'est ça? C'est ça. Bon, ça aura pas été un épisode comment dire, de l'efficacité. Ça c'est sûr, on se sera pris deux. Oula, tombe pas. On s'est pris deux game over. Je suis assez déçu. Après, je trouve que le soin, il est long à se mettre, en fait. Tu peux mourir 10 fois pendant que tu te soignes. Et vu les dégâts qu'ils font... Après, j'attends... Peut-être que j'attends trop avant de me soigner. J'attends tout le temps d'être vraiment au plus bas de ma vie pour me soigner. Peut-être que... Il faut pas, quoi. Oula. Oh, mais non. Tant pis. Alors, ici, il y a un coffre. Non, on peut pas l'avoir pour le moment. Ah, alors, je crois qu'ici, je vais être obligé de prendre Aladdin. Pour activer ça. Donc, on... Non, on va pas remonter. On va aller chercher Aladdin, du coup. Donc, ça, je peux l'activer de moi-même.
Ok, nickel. Je sais même plus si c'est important de les activer en fait. Je crois que c'est juste pour des coffres. Je suis pas sûr de ce que je raconte, mais... Ah, je sais plus. Je sais que l'important c'est de trouver une salle et de d'y casser le pilier. Mince. Je sais aussi qu'il y a une marque de trio bleu à trouver ici, mais je ne sais plus où elle est. Bon, dans le doute, je vais quand même prendre Aladdin. Compagnon, on va enlever Dingo. Voilà. Ok. Donc, on retourne là-bas. C'était par où? C'était là? Je ne sais plus. C'était... Non, là, on peut l'activer... Bon, je vais aller... Ah, mais elle était là, la marque Tréo. Mince. Bon, tant pis. C'est pas très grave. Salle secrète. Ah, bah voilà. Voilà, justement. Le pilier est ici. Brasier, je crois. Voilà. Wish, genie, show me the keyhole. Ok. Donc j'avais bien raison, les statues activées avec grâce à Aladdin, c'est juste pour des coffres, donc c'est pas très important. Alors j'avais complètement zappé que Jafar avait récupéré la lampe du génie. J'avoue que ça m'était complètement sorti de la tête. Pourquoi je suis remonté? Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais essayer de buter de lui pour un peu d'XP, pour pas faire. Mais ouais, on va s'arrêter là, on fera le boss la prochaine fois. Non, tombe pas. Ah, Claude, il est mort. Ok, bon. Bon, on retourne en bas du coup. On bottera les fesses à Jafar la prochaine fois. Le point de sauvegarde est là en plus, nickel. On a même un petit coffre bonus. Ah, une page déchirée. Donc ça, je l'ai déjà dit, c'est un truc que je ne ferai pas. Les pages déchirées, si vous vous rappelez bien, c'était pour, c'est pour le livre de Winnie. Un monde optionnel que je n'ai pas envie de faire. Donc voilà, bon, c'était un épisode un petit peu chaotique, je suis pas très fier de moi, mais bon, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Donc la prochaine fois, on ira combattre Jafar, et on découvrira sûrement un autre monde. Je pense pas que ça va prendre, ça prendra trop longtemps pour faire Jafar. Et voilà, donc j'espère que l'épisode vous aura plu, tchou.